Ça n'est pas sa zézille, monsieur. C'est un tuyau. Oh, pas mal, ouais, il est bon. Comment tu donnes des trucs là? Qu'est-ce qui se passe là? Tu as cru qu'il fallait mettre des strings alors que tu es un bonhomme? Mais... qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Là, est-ce que tu m'entends si je parle comme ça? C'est bon? C'est mon personnel RP, c'est la WRP que t'es. Genre, oh, je t'entends, mais le problème c'est dans le jeu, genre, j'entends les personnes, mais je peux pas répondre alors que tout est bien réglé. C'est possible, t'es en situation d'aide en fait, tu n'as pas le droit de venir ici si t'es pas. T'as continué à être dans le 2? T'es dans le 2? Attends, juste une seconde. Oui, juste suspends ta scène parce que c'est important. Le problème c'est qu'à tout moment il peut y avoir un helper. Bonsoir, c'est qui a fait un ticket s'il vous plaît? C'est ici que ça a fait un ticket là, le ticket 4748, c'est qui s'il vous plaît? C'est pas moi du tout. C'est moi qui l'ai fait à cet instant précis. En fait, ça fait 10 minutes que j'attends. J'étais avec un autre compère qui attendait sur le channel. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais devant le commissariat. Il se trouve que j'ai fait une scène. C'est-à-dire que j'ai mendié. J'ai joué le rôle d'un avocat qui a perdu sa femme il y a quelques jours. Et je suis arrivé au commissariat pour rendre mon badge d'avocat. Mais sauf qu'il n'y a pas de tribunal d'instance. J'ai un peu fait forceur. Et il y a une personne qui a mal réagi. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis fait tabasser à blanc juste devant le commissariat. Donc, c'est pour venir me plaindre. Donc, tu te plains de elliptique, c'est ça? Non, je suis pas dans le truc. Attends, Elliptique, c'est quoi ton perso RP? C'est Léo Vitello. Non, mais c'est pas moi, c'est pas moi qui. Moi, je suis tout le concessionnaire. Parce qu'il y avait avec un concessionnaire avec qui j'ai fait affaire, mais je crois que c'est toi, je reconnais ta. Attendez. Non, me mets pas dans tes histoires, moi je viens d'arriver sur le serveur. S'il te plaît, Elliptique, calme-toi, attends 2 secondes, on va régler ce souci, j'ai pas beaucoup de temps. C'est ta voiture ça ou pas, Elliptique? Non, j'attends d'en acheter une, moi. Tu peux essayer d'ouvrir le coffre, s'il te plaît? Je veux juste voir si c'est ta voiture, s'il n'y a pas une clé à molette ou une batte. Tu te mets devant la voiture, tu sais comment on ouvre un véhicule. Juste, je vais voir si ça répond à la commande B4. Quelle voiture? Celle de gauche, s'il te plaît. La grise, là? Ouais, celle-là. Nickel. Vas-y, mets-toi, voilà. Vas-y, tu fais Y et je vais voir si j'ai le B4. Le coffre est fermé. Ouais, ok. Alors, laisse-moi, je te retrace un instant. Alors, B4 erreur, le véhicule n'appartient pas à ce personnage. Ok, très bien. Donc, c'est pas à toi. Tu peux faire celui-là de droite, le véhicule, s'il te plaît? Celui-là. Vas-y. Ce coffre est fermé. Elliptique, peux-tu me rappeler comment t'étais habillé? Juste un instant pour savoir, parce que sur les témoins de la scène, je crois qu'ils étaient. Appelle-moi. Je suis sur survêt kaki. Ça me dit quelque chose, survêt kaki. Pull noir, capuche. Avec cagoule. Non, tu vois pas mes cheveux de toute façon. Je suis. T'as une capuche. En fait, le truc. Il peut être le suspect numéro 1 sur la scène. On peut le mettre dans la scène s'il faut. Non, putain, me cassez pas les couilles, quoi. Mais c'est juste pour la scène, c'est. Non, s'il te plaît, reste poli, Elliptique. Hugo, calme-toi. Pas de diffamation comme ça pour l'instant. Le souci, en fait, Elliptique, c'est que t'es habillé comme le gang des Pinus, en fait. Ah ouais? Merde. Putain. Ouais, t'es habillé comme le gang des Pinus, et en fait, à mon avis, Hugo s'est fait agresser par les Pinus, en fait. Et toi, comme t'as les mêmes vêtements, c'est pour ça que je te dis ça. Oui, donc en fait. C'est pour ça, effectivement. Ils ont été un petit peu diffamé, mais après, bon, j'étais pas loin aussi. Hein. Sinon, c'est qui a fait passer ta. Ah, t'as pas fait de whitelist, t'es rentré en free access, toi? Ouais, mais j'aimerais bien en faire une. T'aimerais bien. Bah, je peux te la faire passer si tu veux. Je suis whitelist, ouais, mais est-ce que je peux mettre un veto concernant sa candidature? Parce que, en fait, on recrute que du serious. Je sais pas s'il pourra tenir une scène serious. Ouais, tu peux prendre ta voix normale si tu veux, Hugo. Pas besoin de prendre ta voix RP pour l'instant. Oui, alors vous m'entendez, c'est bon? Ouais, nickel. Elliptique, désolé, on a eu un contretemps avec. J'ai eu un contretemps avec toi sur la scène RP. Ce que je te demanderais de faire, c'est écoute bien les instructions de Lancelot. T'inquiète pas, je pense que. T'as quel âge, Elliptique? T'as plus de 18 ans ou pas? Moi, j'ai 23 ans, ouais. Ok, bah c'est nickel. Alors, t'as quel âge, Hugo, si ça te dérange pas? J'approche la cinquantaine, ouais. Bon, de toute façon, y'a pas d'âge, enfin, maximum. Je crois pas aussi que tu m'as dit d'aller pour me changer, là, en fait. T'es tout nu, là? C'est toi, ouais. Ça? Ouais, c'est toi qui es tout nu? Peut-être remets le pantalon, ça serait con que les policiers t'arrêtent pour exhibition. Sinon, ouais, cours tout nu, mais dépêche-toi, quoi, traîne pas trop, à la rigueur. Ben, je vais au Family Gang alors. Ouais, et essaye de pas te faire choper par les noirs, enfin le gang sur le côté. Ah, bleu, ça m'intéresse un peu. Bleu, c'est la couleur de, je crois, c'est de l'homosexualité, je crois, si je me souviens bien. Non. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça aussi? Ah, ok, je suis mal renseigné. C'est rien, c'est rien du tout. Oh, mon trou du cul, c'est qu'une sortie. Il a dit ouais, c'est ça. T'as dit quoi? Mon trou du cul, c'est qu'une sortie. Bah après, ça te regarde ton orientation sexuelle, j'ai pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir si c'est ça. C'est un malade. Du coup, c'est bon, t'as fini. Mais ça fait dégueulasse. T'inquiète pas, au pire, je te reset. Ouais, je veux bien parce que là, c'est juste dégueulasse. Juste si tu croises Miguel, tu lui dis que Lancelot a validé. Te déchire pas parce que sinon, il va te déchirer. Ça serait possible de faire l'entretien maintenant parce que moi, j'ai pas que ça à foutre avec un débutant qui a commencé sur Garry's Mod et voilà quoi. Ouais, s'il te plaît, un peu de respect, Hugo. Ouais,
parce que là, franchement, c'est borderline un petit peu sur tes paroles. Enfin, oui, enfin, Je trouve ça fait aussi, partie aussi Hugo. du personnage, je vais pas le savoir. Moi, je te dis, ça fait quelques mois que je suis sur le serveur. Je te le dis, pour moi, t'es pas inspiré. En général, je tombe avec des mecs sur le RP. On va voir, Hugo. Non, mais voilà, mais je dis ce que je pense, c'est tout. Je l'emmerde. Oui, bah calme-toi si tu veux pas prendre un kick Discord. Alors attends, parce qu'on a trois. Oui. Il faut que tu me fasses trois démos d'accent pour valider la fiche. Tu me fais l'énoncé de l'accent, donc tu me dis par exemple vagos, gang, des choses comme ça, et tu me fais derrière la voix et je valide fur et à mesure. Ouais, bah alors gang. Vas-y, vas-y. Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Allez, faites une scène, Hugo. Rentre dans la scène. J'écoute un peu. Oui, alors je suis gendarme. Je suis avant tout voilà, gendarme. Je suis réserviste à l'armée. Donc là, je suis en train de me balader. J'ai une tenue civile. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, j'ai bien vu que vous étiez en train de mettre votre zizi dans le réservoir là, de monsieur. Vous êtes en train de faire du pompage via votre sgeg, hein, d'essence. Comment m'avez-vous vu, monsieur? Je ne vous vois pas autour de moi. Parce que j'ai vu que vous avez baissé votre froc et je suis toujours à l'affût, quoi. Vous vous amusez à siphonner de l'essence via votre zizi, c'est interdit. C'est interdit de siphonner l'essence avec le zizi et l'urètre que vous pompez. Je l'ai bien vu, ça. J'ai reconnu ça, c'est ce qu'on apprend à l'école de police. Ce n'est pas un zizi, monsieur. C'est un tuyau. Ah, un tuyau. Oui, c'est vrai que ma vue me fait défaut. Je suis désolé. Ouh là là, j'ai un petit peu peur. Attention, il y a une bande de brigands qui arrive. On va se faire violer. Allons-y, enfuyons-nous. Ah, je cours. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas reculer face à la peur. Pas mal, ça. Oui, j'aime bien vous. Merci de m'aider. En général, j'ai toujours été considéré comme le plus fragile de la troupe. Merci de m'aider. Passez devant. Il n'y a pas de souci. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Merci pour la scène numéro 1. je vous applaudis parce que franchement, on a un peu comme ça. Les gars, j'ai ma femme qui d'ailleurs, moi. Ouais, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Ouais, mais en tout cas. Moi, je pensais que j'allais avoir un ramassis de conneries, mais finalement, il improvise bien et il tient bien sa scène. Super, moi, je suis fragable, moi, t'as perdu oui l'accent. Le... Hein, bah, première voix RP validée, écoute, j'ai envie de te dire, je te coche. Et pour moi, c'est bon, je peux rester encore, hein, même si je suis au whitelist, je sais, ouais. vu que j'ai payé. Ouais, mais là, t'as fait qu'un accent, en fait, t'es resté avec ta voix normale alors qu'on avait demandé un accent, Hugo. Oui, d'accord, très bien. Je vais faire l'accent juif, si ça vous dérange pas. Allô, salut, je me présente. Sucière, tu me reconnais pas, Sucière, regarde, tu tiens un magasin maintenant. Je suis là pour acheter du textile. Allez, t'as des tissus, t'as quoi comme tissu? Dis-moi, allez, la vérité, dis-moi. Alors, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes dans un magasin de voiture, là. Vous êtes pas dans un magasin de tissus. Pas mal. Ah, d'accord, vous vendez. Alors, t'as quoi? Alors, je cherche une bim, pour mon cousin, monsieur Serfassi. Alors, vous avez quoi comme modèle? Je vous coupe tout de suite. Les voitures ici, c'est que pour les riches. Ouh, ça c'est bien, ça met du peps. Attendez, vous me prenez pas. Attendez, regardez. Eh, regarde la Rolex là. Chauffe. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me prends pour être? Tu patines ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Tu me prends pour être même ou quoi? Attendez, c'est scandaleux, il est en train de me juger. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, je te bouscule un peu. Tu te pousses dessus ou quoi? Je ne juge personne ici. Seulement, nous ne prenons pas de liquide, nous ne savons pas d'où vient l'argent. Il t'a poussé, Elliptique, hein. Il t'a poussé. Hein. Monte-toi un peu agressif. Oui, je te pousse. Calmez-vous, monsieur. Là, vous êtes dans mon enseigne. Si vous voulez pas sortir de suite. Qu'est-ce que j'apprends? Si je demande 500 000! La voiture, je l'achète, allez, 500 000, je dis, allez, avec les intérêts, allez, 300 000, c'est bon, c'est bon. Dieu qui nous font ça, ça nous fait 100 000, 50 000, allez. C'est moi qui donnerai le prix ici. Voilà, du répondant. Comment ça? Allez, c'est quoi? Nikomok, je m'en vais du magasin, je m'en vais traiter de cette manière. Allez, cassez-vous, allez, qu'est-ce qu'il y a? Allez, c'est pas grave, il y a d'autres clients qui attendent après vous. Classe. Sur la vie de Tata Shushana, si je ramène pas mes boulettes, je les mets comme des petites boules de geisha dans ton petit anus, tu vois, comme ça, je les mets comme ça, pouf, comme une jument. Je ne réponds pas à la provocation, sortez de mon magasin de jument. Comme une jument, allez, baisse ton froc, ça va se passer maintenant. T'as un taser, Elliptique, t'as un taser dans la poche. Non, je l'utilise pas. Très bien, oui, super ça. Vous êtes en train d'avoir une érection, qu'est-ce que vous avez dans votre poche là? Tiens, ce gag, un taser. Oui. Oh putain, il me fait peur. Je sais que vous êtes jaloux, vous, dans votre communauté, vous avez pas de grosses bites. Oh putain, c'est bon là. Allez, stop, on arrête, sinon vous allez plus avoir de... Antisémite. Et coupez, oui, effectivement. Putain, franchement les gars, vous gérez grave en RP. Hein. Non, il faut qu'ils demandent maintenant la partie sorcière, c'est quand même important, c'est des bruitages. Essayez de nous bruiter quelques exemples de sons qu'on peut régulièrement trouver sur un serveur. Ouais, bah le clic de la ceinture, naturellement, qu'on peut faire avec un soundboard ou directement à la bouche. Ok, nickel, attends, ouais, je pas coche. Mal, c'est bien fait. Ouais, je coche. Une bouteille d'eau qui s'ouvre. Ouh, pas mal, ouais, lui il est bon. Ouais, la bise en RP pour les demoiselles ou les messieurs, tout dépend de ton orientation. Et bise, c'est-à-dire la bise bien appuyée ou alors... Bien appuyée, familiale. Ah, c'est trois bises dans le sud, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, oui, ouais, là, dans le RP, par contre, c'est deux. Ouais, dans le RP, c'est deux. Ah, c'est deux dans le RP, ok, pardon. Ouais, dans le RP, c'est deux bises. Le bruit, alors je sais pas, moi, en général, moi j'ai un bruitage pour le pipi, je sais pas si on va lui demander de faire. Ouais, bon, y a pas 36 pipi, j'ai envie de te dire, ça peut être. Le bruit de la braguette, par exemple.
non, aussi réaliste. Oui. On s'y croirait. Oui, oui, non, ouais, c'est bon, parce que moi aussi, ouais, j'ai la même chose. Moi aussi, je fais comme ça. Ouh, ouais. C'est pas, ah, pas mal, ouais. Pas mal du tout. Même. Je le maîtrise bien. Ouais, c'est un gros G, c'est un G croisé, ça. C'est ce qu'on appelle. Ouais. Genre, Maintenant, déchire un papier, tiens, vas-y, tout dépend. Oui, tu déchires. Voilà, un visa, ouais, exactement, un certificat, vas-y. Une amende, ouais. On essaie de la faire plus aiguë un peu. Ouais, c'est bon, nickel. Oui, c'est bon, ça me va aussi. Bah, on a fait boire. Manger, essaye de manger un truc. C'est bon, nickel. Moi, c'est validé. Ouais, ça ressemblait plutôt à un facochère, mais bon, je prends quand même. Ah, après, moi, je suis rugbyman, les gars. Ah oui, oui, c'est vrai. Au niveau de la mâchoire, j'ai senti, ouais, ouais. C'est vrai que c'est viril, ouais. Oh, oui. C'est validé. Écoute, bah, pour moi, pour l'instant, c'est bon. Qu'est-ce que... Bah, écoute, on va faire une dernière scène. TLS Speedy. Attends, et le vomi, parce que ça peut arriver souvent en voiture. Alors, il faut que tu portes bien. Oui, parce que, attends, je vais te le faire. Ouais, mais... Ouais, mais... Écoute bien, écoute pas, attention. Acteur cinéma, c'est pour toi. Fermez les yeux, on y est. Et toi, le minot là-bas, qu'est-ce que tu fais? De quoi? Oui, c'est toi que je parle, c'est toi que je parle. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, go, je te laisse y parler un petit peu. Vérifie les environs. Oui, oui, je suis avec un collègue là. Et comment tu te dandines du cul là? Qu'est-ce qui se passe là? Tu as cru qu'il fallait mettre les strings alors que tu es un bonhomme? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe là? Je vous ai rien fait. Même pourquoi vous. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je vous pousse. Non, 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 je pars en courant. Elle est petite. Non, reste là. Je tiens moi. Je vais l'attacher. Allez, je te lâche moi. Il y a pas de souci. Allez, faire. Amène-le dans la petite rue là. Non, si vous... Allez, petite rue. Allez, on va s'en occuper. Allez, non, oh mais... la belle bouche que tu as. T'es sûr que tu n'es pas une bonne demoiselle? Lâche-moi. Pas la cagole que j'ai. T'es une cagole. Allez, allez, laisse ton froc, je te l'ai dit. Non, mais pas les. Allez, les tics, mets les tarifs là. Bon, maintenant, c'est nous qui parlons, c'est toi qui réponds. Oui. Tu viens d'où? T'habites ici? T'habites dans le coin? J'habite pas très loin. T'habites pas très loin? Bon, très bien. Qu'est-ce que t'as sur toi? J'ai que mon téléphone est 57$, mais s'il vous plaît, j'ai 17 ans, s'il vous plaît, me volez pas mes affaires. Oui, 17 ans, oui. T'es bien lâché, je te dis. C'est pas tes affaires, c'est celle à ta mère. Mais s'il vous plaît, après, je vais me faire engueuler et mon père, c'est le président de Los Santos. Vous allez avoir de gros soucis si vous faites ça. Ah, en plus. Tu sais pas qui on est, non? Il sait pas qui on est, putain. Eh, hey, on est les farfas de l'île, moi, je te dis. Allez, je vais te plaquer contre le sol et je vais te cartoucher. Aïe! Non, pas le bras! Aïe! Allez, lâchez-moi! J'ai pris son téléphone là, je regarde un peu ce qu'il y a. Rends mon téléphone! Oh putain, holy news! Enlève la photo, ouais, je te dis, c'est pas mal. Le téléphone vibre, c'est la maman qui appelle. Oh putain, oh putain! Oh putain, c'est sa mère, Hugo! C'est sa mère, Hugo! Oh, écoute-moi, grosso folle, ton fils, on l'a pris. Donc, ce qui va se passer, on sait que. Qu'est-ce que vous faites à mon fils? Lâchez mon fils! Votre mari est très bien placé dans le gouvernement. On va le mettre dans le fourgon et on va demander le rançon. Une rançon de 100$. Ça vous va? Vous savez pas à qui vous êtes. Raccroche, on va faire passer. Vous allez avoir des problèmes. Oh putain, des toi, Albino, tais-toi, on t'a dit. C'était qui? C'était ma maman? Ça te regarde pas. Le téléphone, il est à nous maintenant. Non, mais. Attends, il est en mode vibreur. Attends, c'est ce qui va se passer, c'est que je le mets dans un petit anus. Ça va lui rappeler des souvenirs. Allez, les vibres, ma soeur. Non, mais. Mais allez, dans pas... le cul. Non. Allez, mais... ta mère va appeler. Ça vibre. Allez. Notre petit ami, hein. T'aimes ça, hein, salope que tu es. Hein, notre petit ami, hein. Ah bah tiens, $50 dans sa poche. Non, mais non. Laissez-moi, s'il vous plaît. On te laisse $10 pour prendre le bus et rentrer chez toi. Pas mal le fair play. Pas mal, j'aime bien. Non, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Vous allez avoir de gros soucis. J'ai vu vos visages. Oh putain, il a vu nos visages. Attends, je vais prendre le compas. Je vais lui pointer. Non, me coupez pas un doigt. Dans le nombril, là, tu vas voir, tu vas pas respirer. J'entends la sirène, il faut qu'on se casse. Oh putain, allez, on se casse, allez. Cours, tu nous as jamais vu. Hein. Tu nous as jamais vu. Coupé. Pas mal. Ouais, on peut applaudir. Ouais, pas mal, ouais. Écoutez, bah, les gars, franchement, je vous valide de la whitelist pour la V2. Vous êtes prêts. Bienvenue. Ouais, super, merci. Je l'ai croisé, ça va être compliqué. De toute façon, je dois y aller. Il y a ma femme que je dois mettre une selle. Et voilà, je vais la cartoucher un peu. Hein. Du coup, vous recevrez les $15,000 sur votre compte en banque. Et vous allez avoir le grade qui va se déclencher d'ici 20-30 minutes sur le Discord. Le mot de passe pour la V5, faudra oui, bien on le. On t'envoie un message. Donc, c'est dans le solo. Ouais. Okay. Comment on fait? C'est un autre serveur en fait? C'est quoi?
En fait, la V5 va pas tarder à arriver. Tu auras toutes les communications qui seront communiquées sur le Discord. Et le mot de passe. Il peut contacter Alka, il y a dans le staff et les helpers. Hein. T'as Miguel, voilà. Donc là, je reste sur le free access. Là. C'est ça, ouais. Pour l'instant, tu te. Ouais. Le mot de passe, ça sera Jizz. Donc. J-I-Z-Z. J-I-Z-Z. Ok. C'est ça. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, c'était ouais. Vraiment cool. Merci. Et puis. Merci beaucoup. Je vais me goder. Bonne soirée. Ouais, c'est la famille, c'est la famille. Oh, maintenant, on a été whitelisté. C'est clair. Ouais, y'a pas de soucis. Comment on l'a appelé, ce con. Bien joué. Je pensais pas que t'aurais pu faire la scène, je te l'ai dit. Oui, t'inquiète, j'ai des ressources. Ah, mais dans l'expérience, l'improvisation sur le bruitage, je pensais que c'était très dilatoire. Et là, c'est bien joué, je te l'ai dit. Bon, quant à moi, je te souhaite une bonne soirée. Je vais aller prendre ma soupe et prendre un bon thé et dormir tranquille. Hein. Pas de problème. Au plaisir de te retrouver sur une plaisir, salle. Je te fais la bise. Donc, c'est-à-dire, on l'a fait ensemble à trois. Les trois bises. À toi et moi, allez. Allez. N'oubliez pas d'acheter un pouce bleu, partagez la vidéo les gars et abonnez-vous bientôt les 10K, on ira tous sur YouTube Space pour faire des feed du feat avec notre ami The Kerry. Hein. On attend super bon ce burger, oh ce fromage. N'oubliez pas d'aller, tu ne fais pas la Coupe du Vélo, à tchao, bon dimanche.